à vie. Je vais faire peur. Non, je vais faire peur, ça. Progressivement. Oui, oui. Déclaration politique des femmes au cadre du PPRD concerne notre indignation à propos des insultes proférées à l'endroit de l'honorable Janil Mabunda Lioko Mudiay, présidente de l'Assemblée nationale. Nous, femmes au cadre du PPRD, suivons et vivons avec consternation et révolte la montée en puissance
dans notre pays de la pratique de l'injure, des propos sexistes jamais vécus de cette manière auparavant. Tenons à faire savoir à l'opinion que ces antivaleurs heurtent profondément non seulement notre culture, mais aussi notre sensibilité de femme et de mère. Réaffirmons que si la critique est bonne pour faire avancer la démocratie et par ricochet le développement d'une nation, les insultes, en revanche, traduisent une bassesse qui ne garantit ni les valeurs morales susceptibles de nous faire avancer, ni l'aptitude d'un leadership constructif. En effet, il circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours une vidéo vraisemblablement d'un meeting de militants de l'UDPS au cours duquel des injures publiques graves ont été proférées sans aucune retenue à l'endroit de l'honorable Jeannine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, deuxième institution de notre pays, la République démocratique du Congo. Ces propos outrageants sont d'une violence rare, touchant même jusqu'à l'intimité de la personne et de la dignité humaine. Interpellons l'opinion tant nationale qu'internationale à ce propos et invitons tout esprit élevé à condamner sans réserve cette déviation et cette désacralisation des institutions politiques et leurs animateurs. Exigeons réparation, car au-delà du fait que l'institution Assemblée nationale a été touchée, la femme Jeannine Mabunda est violentée. La loi contre les violences sexuelles mise à mal, nous en appelons à tous, de quelque bord politique que l'on soit, de se souvenir que notre pays a besoin de réunir toutes ses énergies positives pour s'élever. Car le changement de mentalité est une base utile pour favoriser un climat de paix. Je vous remercie.